Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'apprentissage. Je suis M. Tiwa Edouard Legrand, enseignant de lettres classiques. Et aujourd'hui, je suis également ton tuteur s'agissant des cours de latin en classe 5e. Bien, aujourd'hui, nous allons étudier la troisième déclinaison des noms imparisyllabiques. Avant de passer à la leçon du jour, nous devons donc corriger le devoir qui a été donné la semaine dernière, car la semaine dernière, nous avons étudié encore d'abord la troisième déclinaison des noms parisyllabiques. Je reprends, nous avons étudié la semaine dernière la troisième déclinaison, les noms parisyllabiques. Il est donc question de corriger le devoir qui a été donné dans cette leçon avant de passer au nom imparisyllabique. Bien, dans notre devoir, il était question de décliner le groupe nominal bonus kiwis. Il était question de décliner le groupe nominal bonus kiwis. Bien, en nous inspirant donc du tableau de déclinaison des noms de la troisième déclinaison, plus précisément les parisyllabiques, nous avons au nominatif bonus kiwis, au vocatif singulier bonnet kiwis, à l'accusatif bono kiwem, au génitif boni kiwis, au datif bono kiwi, à l'ablatif bono kiwe. Au pluriel, nous aurons au nominatif boni kiwes, au vocatif boni kiwes, à l'accusatif bonos kiwes, au génitif bonorum kiwium, au datif bonis kiwibus et à l'ablatif bonis kiwibus. Bien, nous allons nous attarder sur une précision, car nous avons affaire ici à un adjectif accompagné d'un nom. Ici, il est question de décliner le groupe nominal, à savoir l'adjectif de la première classe et le nom de la troisième déclinaison. Pour décliner, nous l'avons dit, lorsqu'on a fait un groupe nominal, nous devons suivre la déclinaison qui l'indique, car nous n'allons pas décliner bonus tel que se déclinent les noms de la troisième déclinaison. La déclinaison de l'adjectif bonus va suivre la déclinaison des noms de la deuxième déclinaison. Il va suivre la déclinaison des noms masculins de la deuxième déclinaison, car sa désinence est us. Par conséquent, il va se décliner comme les noms en us. Et quant à kiwis, il va se décliner tel que l'indique le tableau de déclinaison des noms de la troisième déclinaison et plus précisément des noms masculins, féminins. Donc, c'est pourquoi nous avons bonus qui est décliné selon la deuxième déclinaison tel que les cas l'indiquent et kiwis qui est décliné selon sa déclinaison également. Bien,
C'est pourquoi nous avons donc en récapitulatif bonus kiwis, boné kiwis, bonum kiwem, boni kiwis, bono kiwi, bono kiwe. Au singulier et au pluriel, nous avons boni kiwes, boni kiwes, boni ki, bonos kiwes, bonorum kiwium, bonis kiwibus et bonis kiwibus. Le devoir étant bien fait, nous allons passer à la leçon du jour. Nous avons dit la leçon du jour porte sur la troisième déclinaison et plus précisément les noms imparis syllabiques. Bien, notre leçon va porter tour à tour déjà sur les compétences attendues, les objectifs intermédiaires, les prérequis. Nous allons entrer dans l'activité d'apprentissage et nous allons formuler la règle et enfin nous allons consolider et faire un devoir. Je reprends, nous passerons tour à tour sur les compétences attendues, les objectifs intermédiaires, les prérequis, l'activité d'apprentissage, la formulation de la règle, la consolidation et nous allons finir par un devoir. Comme objectif, il est donc question de traduire un texte latin comportant des noms imparis syllabiques de la troisième déclinaison. Je reprends comme objectif. Il est question de pouvoir traduire un texte latin comportant des noms de la troisième déclinaison imparis syllabique. S'agissant des objectifs intermédiaires, nous allons devoir être capables de lire et d'analyser déjà le texte et par la suite identifier un nom de la déclinaison, traduire des noms de la troisième déclinaison. Je reprends, lire et analyser un texte, identifier les noms de la troisième déclinaison, les traduire également et enfin les décliner. Bon, comme prérequis, nous avons la maîtrise des désinences des noms de la troisième déclinaison et nous avons la déclinaison des paris syllabiques déjà étudiée. La maîtrise des désinences des noms de la troisième déclinaison et la déclinaison des paris syllabiques. Bien, passons donc à notre corpus. Pour étudier notre leçon d'aujourd'hui ou la leçon du jour, nous allons toujours passer, comme d'habitude, par un corpus. Et le corpus ici est constitué de trois phrases suivies de leur traduction. Nous allons donc lire le corpus. Première phrase. Nous avons repris, je tiens à rappeler que nous avons repris déjà le corpus précédemment étudié pour montrer certaines particularités et encore certaines différences. La première phrase, nous avons Iam ignem hominibus abebant. Comme traduction, nous avons désormais les hommes possédaient le feu. Deuxième phrase, id Yoem maxime irritavit. Pour dire, cela irrita grandement Jupiter. Et enfin, à la troisième phrase, nous avons Prometheus in monte erat. Pour dire, Prométhée se trouvait sur le mont. Ou encore, Prométhée était sur le mont. Je reprends la lecture du corpus. Iam ignem hominibus abebant. Désormais, les hommes possédaient le feu. Phrase 2. Id Yoem maxime irritavit. Pour dire cela, irrita grandement Jupiter. Et enfin, nous avons Prometheus in monte erat. Prométhée se trouvait sur le mont. Ou encore, Prométhée était sur la montagne. Bien, notre lexique. Notre corpus est accompagné d'un lexique nous ayant permis la traduction des différentes phrases contenues dans le corpus. Et comme mot du lexique, nous avons Iam, qui veut dire désormais, Ignis, le feu,
Homo, l'homme, Jupiter, Jupiter, Maxime, grandement, Prometheus, Prométhée, et Mons, qui est le mont ou la montagne. Je reprends les mots du lexique. Yam, qui est un adverbe qui veut dire désormais. Ignis, un nom, le feu. Homo, un nom, qui veut dire l'homme. Jupiter, qui veut dire Jupiter. Maxime, un adverbe qui veut dire grandement. Prometheus, qui veut dire Prométhée, et Mons, qui veut dire le mont ou encore la montagne. Bien, passons au traitement de la situation problème. Bien, relève-moi déjà dans notre corpus un nom parisyllabique. Nous avons étudié la dernière fois les noms parisyllabiques. J'aimerais donc que, dans ce corpus, que tu me relèves un nom parisyllabique. Bien, nous avions dit la dernière fois que les parisyllabiques sont des noms qui ont le même nombre de syllabes au nominatif singulier et au génitif singulier. Par conséquent, comme nom, nous avons Ignis dans notre corpus qui est un nom parisyllabique. Nous avons donc relevé Ignis qui est un nom parisyllabique. Bien, je prends le mot suivant, homo, soit le mot homo avec son génitif hominis qui veut dire l'homme. Nous avons homo, hominis, qui veut dire l'homme. Combien de syllabes comporte ce mot au nominatif et à son génitif singulier? Donne-moi le nombre de syllabes du mot relevé, à savoir homo, hominis, qui veut dire l'homme. Au nominatif singulier déjà, quel est le nombre de syllabes? Et au génitif singulier, quel est le nombre de syllabes? Il est donc question de bien décompter ces syllabes. Nous dirons que ce mot comporte deux syllabes au nominatif singulier. Nous avons au nominatif singulier homo. Dans homo, nous avons o et mo qui indiquent deux syllabes. Tandis que au génitif singulier, nous aurons trois syllabes. O, mi, nis. Donc, dans hominis, nous retrouvons trois syllabes. O, mi, nis. Donc, je reprends. Ce mot comporte donc au nominatif singulier deux syllabes, à savoir O, mo, et au génitif singulier trois syllabes, à savoir O, mi, nis. Je reprends. Nous allons prendre un autre mot, soit le mot mons, montis. Le mot mons, montis, car nous savons bien qu'un mot est donné en latin avec son génitif singulier. Nous avons le nominatif singulier et accompagné du génitif singulier. Donc, nous avons mons, montis. À partir de ce mot, quelle est la terminaison au nominatif singulier? Quelle est sa terminaison au nominatif singulier? Nous avons mons, montis. Donne-moi la terminaison de ce mot au nominatif singulier. Nous avons mons, qui a pour terminaison NES. Car nous constatons qu'au nominatif singulier, il se termine par deux consonnes, à savoir NES. Par conséquent, mons contient deux consonnes comme terminaison au nominatif singulier. Quelle différence donc peux-tu établir entre les noms parisyllabiques et les noms imparisyllabiques? Quelle différence peux-tu donc établir entre les noms imparisyllabiques que nous venons de voir et les noms parisyllabiques? Nous dirons que la différence se situe au niveau du nombre des syllabes au nominatif singulier et au génitif singulier. Et de même, la terminaison par deux consonnes.
Nous avons donc la différence au nominatif singulier au niveau des syllabes ainsi qu'au génitif singulier. Qu'allons-nous formuler donc comme règle ou encore qu'allons-nous retenir ici? Nous dirons que les noms, sur les noms imparisyllabiques, qu'ils ont une syllabe de plus au génitif singulier par rapport au nominatif singulier. Je reprends. Les noms imparisyllabiques sont des noms de la troisième déclinaison qui ont une syllabe de plus au génitif singulier qu'au nominatif singulier. Nous allons prendre l'exemple de corpus, corporis. Corpus, corporis. Au nominatif singulier corpus, nous avons corpus, donc deux syllabes. Tandis qu'au génitif singulier, nous avons corporis, à savoir corporis, donc trois syllabes. Donc, nous retenons donc que les noms imparisyllabiques sont des noms de la troisième déclinaison qui ont une syllabe de plus au génitif singulier qu'au nominatif singulier. Et de même, ces noms vont former leur génitif pluriel en um. Pourquoi ils vont former leur génitif pluriel en um par rapport au parisyllabique qui forme leur génitif pluriel en ium. Donc, il faudrait donc faire la différence entre ces deux catégories de noms. Les imparisyllabiques formeront leur génitif pluriel en ium et ils ont une syllabe de plus au génitif singulier qu'au nominatif. Bien, comment allons-nous les décliner? Nous allons les décliner sur le modèle de consul. Prenons donc l'exemple dans notre tableau. Au nominatif, nous aurons au singulier consul, au vocatif consul, à l'accusatif consulem, au génitif consulis, au datif consuli et à l'ablatif consulé. Au pluriel, nous aurons au nominatif consules, au vocatif consules, à l'accusatif consules, au génitif consulum, au datif consilibus, à l'ablatif consulibus. Je reprends. S'agissant de la déclinaison de consul, nous aurons au singulier consul, consul, consulem, consulis, consuli, consulé. Au pluriel, nous aurons consules, 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 consulum, consulibus et consulibus. Bien, ici, il est question du modèle masculin-féminin des noms imparisyllabiques. Prenons donc le modèle des neutres imparisyllabiques. Nous allons prendre comme modèle corpus. Au singulier, nous aurons au nominatif corpus, au vocatif corpus, à l'accusatif corpus, au génitif corporis, au datif corpori, à l'ablatif corpore. Au pluriel, nous aurons au nominatif corpora, au vocatif corpora, à l'accusatif corpora, au génitif corporum, au datif corporibus, à l'ablatif corporibus. Je reprends le modèle des noms neutres imparisyllabiques. Nous avons au singulier corpus, 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 corporis, corpori, corpore. Au pluriel, nous aurons corpora, 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 corporum, corporibus, corporibus. Bien, je vais attirer votre attention sur la déclinaison des noms neutres. Il faudra donc faire la différence entre les neutres parisyllabiques et les neutres imparisyllabiques. Nous avons vu qu'avec les parisyllabiques, le modèle de Mare, lorsqu'on le déclinait, prenait I, donc Maria, Maria et Maria. Tandis que lorsqu'on va sur les neutres
un pari syllabique. Le I n'existera plus. On aura plutôt corpora au lieu de corporia. Donc, nous aurons corpora, corpora, corpora. Il faudrait donc faire cette différence entre les neutres parisyllabiques et les neutres imparisyllabiques lors de la déclinaison. Bien. Nota bene. Nous avons énuméré certains noms tels que pater, mater, frater, juvenis, senex et canis. Ces noms énumérés, bien qu'ils soient des parisyllabiques, nous dirons qu'ils formeront leur génitif pluriel en um, tel que les imparisyllabiques. Ils vont former leur génitif pluriel en um. Donc, les noms énumérés tels que pater, mater, frater, juvenis, senex et canis, qui sont des parisyllabiques, formeront leur génitif pluriel en um. Bien, nous avons dit à la base que nous avons trois catégories de noms. Nous avons les parisyllabiques, les imparisyllabiques. Dans ces mêmes imparis, les fonds imparisyllabiques contenus dans les imparisyllabiques. Donc, les imparisyllabiques également font une autre distinction avec certains noms, car nous allons constater que dans ces imparisyllabiques, il existera des faux imparisyllabiques. Pourquoi est-ce que nous allons les appeler faux imparisyllabiques? Déjà, nous allons constater qu'ils sont faux imparisyllabiques à travers leur désinence. Nous allons les reconnaître déjà par leur terminaison à deux consonnes, ou encore leur désinence à deux consonnes. Lorsque nous avons un mot qui a pour désinence deux consonnes, nous dirons qu'il est un faux imparisyllabique. Exemple, nous avons OBS, OBIS. Dans OBS, on a comme désinence BS, OBS qui veut dire la ville. Par conséquent, OBS fait partie des faux imparisyllabiques. Nous pouvons prendre également un mot énuméré bien avant, à savoir MONS, MONS qui se termine par NES. Bien, pourquoi nous dirons toujours qu'ils sont faux imparisyllabiques? Nous avons dit que les imparisyllabiques forment le génitif pluriel en OUM. Mais nous allons constater que ces noms énumérés, appartenant bien sûr aux imparisyllabiques, vont former leur génitif pluriel en IUM au lieu de IUM tel que les imparisyllabiques. C'est pourquoi nous les appelons donc faux imparisyllabiques. Bien, pour récapituler, nous dirons que les faux imparisyllabiques sont des noms qui se terminent par deux consonnes et ces noms se déclinent un peu dans leur génitif, donc se décline dans leur génitif pluriel comme les noms parisyllabiques. Essayons donc de décliner un faux imparisyllabique et prenons le modèle du nom cité plus haut, à savoir OBS. Comment allons-nous décliner le mot OBS? Nous aurons au nominatif singulier OBS, au vocatif singulier OBS, à l'accusatif singulier OBEM, au génitif singulier OBIS, au datif singulier OBI, à l'ablatif singulier OB. Au pluriel, nous aurons au nominatif singulier OBES, au vocatif singulier OBES, à l'accusatif singulier OBES, au génitif singulier OBIUM, au datif pluriel OBIBUS, à l'ablatif pluriel OBIBUS. Je reprends. Nous aurons au pluriel OBES, 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 OBIUM, OBIBUS et OBIBUS. Voilà un modèle de déclinaison des noms, des faux imparisyllabiques. Surtout, il faudrait faire attention à la désinence du génitif pluriel. Au lieu d'être en OUM,
tel que les N parisyllabiques l'indiquent. Il est en ion tel que les parisyllabiques. Voilà donc l'un des éléments qui fait de lui un faux un parisyllabique associé à sa désinence à double consonne. Bien, nous avons constitué un vocabulaire des noms de la troisième déclinaison qui, pour vous enrichir, bien sûr, vocabulaire est constitué des mots caput, capitis, la tête, dux, ducis, le chef, genus, generis, le genre ou l'espèce, homo, hominis, l'homme, miles, militis, des soldats, nomen, nominis, le nom, vox, vocis, la voix, lux, lucis, la lumière, mens, mentis, la pensée ou l'esprit, mors, mortis, la mort. Bien, nous avons donc constitué un vocabulaire des noms imparisyllabiques. Bien, passons à l'exercice d'application pour voir si tu as maîtrisé la leçon du jour. J'aimerais que tu me déclines le nom Pater, Patrice ou encore Mons, Montis. Pater, Patrice ou encore Mons, Montis. Bien, pour décliner Mons, nous avons pour décliner Mons, nous avons Mons au nominatif singulier, Mons au vocatif singulier, Mons à l'accusatif, Montem à l'accusatif singulier, Montis au génitif singulier, Monti au datif singulier, Monte à l'ablatif singulier. Au pluriel, nous avons Montes au nominatif, Montes au vocatif, Montes à l'accusatif, Montium au génitif, Montibus au datif, Montibus à l'ablatif. Bien, s'agissant du nom Homo, nous avons Homo au nominatif singulier, Homo au vocatif singulier, Hominem à l'accusatif singulier, Hominis au génitif singulier, homini au datif singulier et homine à l'ablatif singulier. Au pluriel, nous aurons homines au nominatif, homines au vocatif, homines à l'accusatif, hominum au génitif, hominibus au datif et hominibus à l'ablatif. Bien, voilà donc l'exercice d'application ainsi achevé. J'aimerais donc, comme devoir, que tu me donnes déjà les cas possibles des différents mots suivants. J'aimerais que tu me donnes les cas possibles des mots suivants. Nous avons comme mot regem, huitutem, huitutum, kirium, militi, Ducibus, mortis, mores, temporis, nominum et capite. Il est question donc de me donner les cas possibles des différents mots énumérés. En devoir 2, j'aimerais que tu déclines trois noms de ton choix, parmi lesquels un parisyllabique, un imparisyllabique et un faux imparisyllabique. Dans l'exercice 2, il est question que tu me déclines un mot de ton choix parmi les noms de la troisième déclinaison, à savoir un parisyllabique, un imparisyllabique et un faux imparisyllabique. Bien, la leçon ainsi achevée, nous nous sommes inspirés pour la montée des documents tels que Initiation aux lettres latines 5e, du cahier d'activité de latin 5e, du latin 5e,
de Marie Bertelier et de Annie. Pour la prochaine fois, nous verrons l'expression de la date, à savoir qui sera constituée des jours de la semaine, des mois et des mois de l'année. Donc, prochainement, nous étudierons l'expression de la date avec les jours de la semaine et les mois de l'année. On a tege si ma tege yop, on a tege minga ma tege nyom, on a tege ma jang ma tege ndom, mane tambia ninya ne njobya yen, ngani bana ma tege mot, ngani la kiri wa tege ndong, esse kina bia dinki do, mane tambia ninya ne njobya yen, tam tama mote tam zabike, Tam tama tonge tam zabike tam tam tama mote tam zabike mane tambia ninya ne njobya yen